Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, c'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Comme je vous avais dit, dans la semaine, nous avons une invitée ici, notre sœur, Maman Émérance, c'est comme ça on l'appelle. Donc avant de commencer cette émission, nous allons prier comme d'habitude. Seigneur éternel des armées, nous te disons merci. Une fois encore pour ce que tu fais pour nous. Voilà encore, nous sommes là. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour te lever encore ce soir. Nous sommes là, 30 minutes de joie, 30 minutes d'adoration, de louange. Seigneur, nous te recommandons ce moment que le Saint-Esprit s'installe devant nous, au milieu de nous, autour de nous. Merci Seigneur, parce que quelqu'un sera béni encore ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus. Je voudrais vous présenter notre maman, Maman Émérance. Je vais la laisser, elle-même va se présenter brièvement. Soyez les bienvenus, Maman Émérance, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est une grande joie de vous recevoir sur ce plateau, comme d'habitude. Elle n'a pas le temps, sinon elle devrait venir depuis l'année dernière. Mais je vais lui laisser la place, elle va se présenter. Bonjour les amis, bonjour tout le monde qui nous suivent maintenant sur cette émission. Réveille-toi. Je suis en joie. Connectez-vous massivement, appelez vos amis, connectez-vous. Parce qu'aujourd'hui c'est une émission spéciale. Moi je m'appelle Maman Émérance, je suis de Chalon en Champagne. Et j'ai été invitée par un frère Gilbert aujourd'hui pour partager un moment ensemble dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Comme elle s'est présentée déjà, on ne va pas s'en prétarder. Nous allons danser. C'est Maman Émérance. Ce son, je l'ai fait avec un pasteur, un ami pasteur au Bénin. Il s'appelle Elie Dim. Elie Dim, on l'a fait il y a bientôt deux ans. Et Nyonomi. Tout va bien. C'est ça veut dire en béninois. Nous allons danser. C'est une sasa. Qui a dit qu'on ne peut pas danser la sasa pour la gloire de Dieu? La régie. Que le Seigneur vous bénisse. On nous a oublié. Que le Seigneur vous bénisse. Elle est là, la régie. On y va. Balancez. Yes,
dis-toi toujours tout va bien, même si tout va mal. Et la foi dit tout va bien. Maman et Mérance, nous allons nous reposer un peu. C'est une grande joie de partager ce moment sur plateau avec toi. Et tu as sûrement, quand tu es là ce soir, tu as quelque chose à partager avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu veut savoir qu'est-ce que tu as partagé avec lui ce soir. Frère Gilbert, c'était déjà sur l'annonce. Nous allons parler aujourd'hui de l'éducation d'un enfant selon la parole de Dieu. Alléluia. Éducation. C'est vrai, sur l'affiche, c'est écrit un enfant, une éducation épanouie. C'est ça. Si tu ne donnes pas une bonne éducation à ton enfant, il ne va pas être épanoui quand il sera grand. Donc, maman Emmanuel, si vous voulez partager quelque chose, je vais la laisser parler au peuple de Dieu. Oui, nous avons tiré ce thème dans la Bible, dans le Proverbe. Oui, dans le Proverbe 22, chapitre 22, verset 6. Et j'ai lu au nom du Seigneur la parole de Dieu. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Aujourd'hui, nous allons parler de l'instruction de l'enfant selon la volonté de Dieu. Alléluia. L'instruction d'un enfant selon la volonté de Dieu. C'est ce que maman Emérance a dit. Et maman Emérance, quand le Seigneur ou la parole de Dieu nous dit d'éduquer un enfant ou de donner une bonne éducation à un enfant, quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Frère Gilbert, je voulais déjà te dire, parce que j'ai fait mes recherches moi-même, déjà instruction. Approche-toi un peu de ton micro, sinon on ne t'entend pas bien. Voilà. Okay. Mets ta haut comme ça, voilà. Ok. Je voulais répéter. Oui. Et j'ai fait quand même des recherches pour savoir instruire, c'est quoi déjà? Alléluia. En hébreu, instruire déjà, c'est consacrer. Consacrer l'enfant. Consacrer l'enfant. Ah là là. Il y a maintenant, c'est fait beaucoup de recherches. Hein? Bon, on continue. Quand j'ai vu la définition de construire, ça m'a encore beaucoup parlé parce que construire, c'est donner des connaissances et des enseignements, augmenter des savoirs et l'expérience de quelqu'un. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'enfant. À la place de quelqu'un, nous remplaçons l'enfant. Alors, quand nous parlons instruire un enfant selon la voie qu'il va suivre, la voie que l'enfant va suivre, c'est la voie de Dieu. La voie de Dieu. Amen. Et quelqu'un qui n'est pas chrétien, bon, est-ce que ce que vous êtes en train de dire le concerne aussi? Oui, bien sûr. Cette émission n'est pas seulement une émission pour les chrétiens. C'est une émission qu'on se partage beaucoup de choses et des chants. On chante, on loue pour Dieu. Mais c'est pourquoi je demande à tout un chacun d'appeler son ami, d'être connecté parce que on va parler. Ça concerne aussi les parents qui sont non chrétiens parce que l'éducation commence à la maison. À la maison. Bon, il y a maintenant ça. Cette émission, ce n'est pas une émission de prédication. On vient ici, on prêche, les gens sont ennuyés. Non, ici, nous dansons aussi pour la gloire de Dieu. Amen. La régie, comme d'habitude, nous allons danser encore. Nous allons danser. Il s'appelle Moïse, pasteur Moïse Mbillé du Congo, dans Akosi Nangaïté. Ça veut dire quoi en lingala? Akosi Nangaïté. Il ne m'a pas trompé. Ah, il ne m'a pas trompé. Oui, c'est que je crois qu'il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Dieu ne t'a pas trompé. Donc nous allons danser. Nous allons danser la région, on y va. Thank you.
silence chez toi. Je sais que tu es en train de danser chez toi. N'oublie pas de partager ce direct parce que
Le but du partage de Dieu, ce n'est pas pour avoir des vues, mais c'est pour avoir des vies. Que c'est vous bénisse, c'est là où vous êtes. Il y a un miracle en train de dire, éduquez un enfant, instruisez vos enfants, ça veut dire consacrer vos enfants. Ça te concerne aussi, même si tu n'es pas chrétien. Donne une bonne éducation à ton enfant quand il était encore bébé ou jeune. Il y a un proverbe de chez moi qui dit, donne à ton poisson la forme que tu veux avant qu'il soit séché. Si sèche vide, tu ne peux plus le redresser pour lui donner une autre forme. C'est pourquoi quand Dieu t'a donné des enfants, tu vis avec tes enfants, donne une bonne éducation avec tes enfants. Il y a Mérance, hier je parlais avec une collègue, et je ne sais même pas de quoi on parlait, et la dame m'a dit, oui, il faut reconnaître quand même que la France est un beau pays, qui a tout, voilà, malgré ça, les gens continuent de faire du désordre, regardez les enfants qui brûlent, et souvent c'est les étrangers. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Parce que quand on voit les émeutes partout, les enfants de 12 ans, 10 ans, 11 ans qui sont dehors, pour moi, bon, je suis vraiment choqué de voir des enfants, surtout en été, les enfants qui se promènent dans les rues à 22h, 23h, les mineurs, ça m'a fait quelque chose. Donc à chaque fois, il y a du désordre quelque part, ou il y a une tuerie quelque part, surtout c'est les étrangers. Ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, voilà, donc nous les étrangers, ne donnons pas une bonne éducation à nos enfants, c'est ce que ça veut dire. Donc, il n'y a pas mis tous ceux qui font du désordre. Il n'y a pas des autochtones, il n'y a que des étrangers. Ça m'a choqué, il y a une violence. Qu'est-ce que vous avez vraiment à dire? Parce que ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, tiens, je vais en parler avec le peuple de Dieu aujourd'hui. Merci, frère Gilbert. Nous tous, nous avons vu comment la France brûlait de partout. Je voulais juste te confirmer qu'il n'y avait pas que les enfants des étrangers. Alléluia. Nous tous, nous avons vu sur la télé. Mm-hmm. Mais moi, je suis en train de dire le jour d'aujourd'hui que cet enfant qui sort, qui est dehors, qui part brûler, cet enfant est en train de crier. Il crie, il demande au secours. Cet enfant veut de l'amour, cet enfant veut de l'avenir. C'est pour cela aujourd'hui nous parlons de instruire ton enfant parce que l'éducation commence dans la maison. Mm-hmm. Si toi, parent, tu as donné une bonne éducation, tu as instruit cet enfant dans la voie du Seigneur, l'enfant saura que casser, ce n'est pas bon. Mm-hmm. Tuer, ce n'est pas bon. Insulter, ce n'est pas bon. C'est pour cela que nous demandons aujourd'hui, nous parlons de ces sujets, pour dire que tout le monde qui dit que c'est que les enfants des étrangers, moi je n'accepte pas. Parce que tout était passé par la télé, par les réseaux, on a tout vu, mais qu'il n'y avait pas que les enfants des étrangers. Le problème c'est quoi? On accuse déjà les étrangers, et maintenant si on retrouve parmi ceux-là des étrangers, vous dites tous les étrangers. Bon, on ferme cette parenthèse, on ouvre une autre. Bon, apparemment, vous voyez la maman qui est à côté de moi, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez croire que c'est une jeune fille. C'est une jeune fille de 15 ans. Elle a des grands, grands enfants. Je ne sais pas, Yann Mérance, je ne sais pas comment tu as fait. Elle a des grands enfants qui la dépassent même. Je ne sais pas. Elle a beaucoup d'enfants. Je ne veux pas vous dire le nombre. Après, vous allez commencer à chercher sa maison. Non. Elle a beaucoup d'enfants. Comment tu as fait pour éduquer ces grands enfants, ces grands garçons qui fait 2 mètres parfois? Merci, frère Gilbert. Et c'est ce que je viens de dire. Franchement, il n'y a pas mieux que consacrer ton enfant à Dieu. Mm-hmm. Parce que tu peux tout beau faire, mais l'éducation, le monde éduque aussi les enfants autrement. Et les enfants, quand ils sont en dehors de la maison, ils prennent les habitudes qu'ils trouvent en dehors de la maison. Mm-hmm. C'est pour cela, aujourd'hui, je parle à un parent, je parle à une sœur, je parle à un frère, vous qui avez les enfants, éduquez vos enfants à la maison. La base, c'est la maison. Éducation commence à la maison. C'est comme quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Vous vous tracassez. Vous cherchez comment faire pour ça, pour qu'elle puisse grandir bien et tout. C'est comme ça quand l'enfant est déjà aussi sorti.
faites de tout vos miens, aimez vos enfants et éduquez-les à la maison. Alléluia. Avec eux. Il y a une nuance. On va danser encore parce que c'est encore, il y a une nuance. Nous allons danser encore. La régie, il s'appelle Frère Nisson Mavinga dans Azazambé. Zazambé, il y a une mirage. J'ai une interprète à côté de moi ce soir. Il est Dieu. Alléluia. C'est une grâce de la voix ici. Enseigner quelqu'un. Donc, je disais tantôt, maman Emérance a beaucoup d'enfants. Et des jolis enfants, hein? Des jolis enfants, des jolies, jolies filles. Mais quand je suis en train de dire ça, tu dis, frère Gilbert, après tu me dis, frère Gilbert, la dame qui était à côté là, t'as des jolis enfants. Mais il y a une condition, je suis le tonton, oui, je suis le tonton. Mais il y a une condition, il faut que tu sois chrétien d'abord.
Et je vais bien fouiller dans ta vie si tu es vrai chrétien et on m'en parlera de ça. Il y a une soeur, comment tu as pu faire? Parce que quand tu envoies ses enfants, aucun de ses enfants n'est pas dans le monde. Ils sont tous sur la voie de Dieu. Et tu es en train de nous dire, tu les as consacrés à Dieu, c'est ça? Oui, frère Gilbert, j'avais consacré mes enfants à Dieu. J'ai demandé au Saint-Esprit qu'il puisse m'aider pour éduquer ces enfants, parce que ces enfants-là, ils vivent dans le monde, là où il y a tout ce que nous voyons. Bien sûr qu'ils sont toujours dans le monde, ils sont plus dans le monde que... Oui, mais c'est Dieu qui m'a aidé, je ne peux pas pointer le doigt pour dire que c'était ma force et tout. Je suis maman comme toutes les mamans qui trouve son enfant dehors en train de casser. Je crois que cette maman, quand elle voit son fils en train de casser, ne va pas être bien de voir son fils comme ça. Mais moi, j'ai consacré mes enfants à Dieu. J'ai demandé à ce que Dieu puisse m'aider pour leur éducation. Et je sais que je parle à une maman qui va mettre ses genoux par terre et il verra comment son fils, même toi, si maman, écoute bien toi, maman. Même si l'enfant avait déjà pris un autre chemin, mets tes genoux par terre, Dieu va te montrer comment il est Dieu. Alléluia. C'est une maman, moi je l'appelle Yaya, parce que chez nous au Congo on dit Yaya. Quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu l'appelles, c'est ma Yaya. J'ai en prière chez elle, elle a ouvert sa porte pour nous, on faisait tout. Pour aller chez elle, je ne demande pas l'audience. C'est une dame exceptionnelle, qui a la crainte de Dieu, je l'appelle une Amazone. Une Amazone, dans le bon terme, hein, parce que c'est quelqu'un, elle marche par ses mots, elle n'aime pas que les gens la piétinent. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Et je disais toujours ici, cette émission, c'est pas pour juste pour moi ou pour juste pour la régie, c'est pour tout le monde. C'est Dieu, tu es enfant de Dieu, et Dieu t'a donné un talent, et Dieu t'a donné quelque chose qui peut avancer, qui peut annoncer sa parole. Je te reçois ici, la porte est ouverte. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Alléluia. Amen. Dieu est ton secours, il sera toujours à tes côtés. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Émérance, je voudrais que vous disiez quelque chose juste en une seconde en lingala pour nos parents qui sont de l'autre côté du Congo. Na pesi bande konana nyonso mbote bawo balandi biso lelo na bandi ke bomoni bawo boza sur Facebook bawo boza na WhatsApp bo banda ko se connecter na émission oyo bo banda ko se connecter za na makambo mingi ya malamu ezo lekana parce que tozo solo la pona biso mon côté tozo solo la pona Yesu Christo. Amen. Et comme elle a fini en lingala, je vous salue en lingala. Zambe Pambola Yomigi. Que le Seigneur vous bénisse. May God still bless you. See you next week. May God still bless you. May God still bless you. Ciao. Bye. Amen. Et maintenant, nous allons partir.